Alors, la théorie de la maladie en médecine chinoise, c'est que on dit en médecine chinoise que la santé correspond à un état d'équilibre entre le yin et le yang. C'est un peu vague, en même temps c'est juste. Hein? La santé, c'est un état d'équilibre entre le yin et le yang. Mais bien sûr, on prend soin de ne pas aller plus loin parce que ces notions représentent l'ensemble des facteurs qui constituent l'être humain, vu sous cette forme binaire depuis qu'on est dans un monde manifesté. Hein? Yin et yang, c'est-à-dire, on peut aussi bien dire c'est l'équilibre entre le qi et le sang, entre le chaud et le froid, entre le moral et le physique, entre le corps et l'environnement, entre ce qui monte et ce qui descend, peu importe, c'est toujours du yin et du yang. Et la santé, c'est l'équilibre de toutes ces forces réunies. Donc c'est juste de dire que c'est l'équilibre entre yin et yang, parce qu'on est dans un monde qui, depuis le Big Bang, est yin-yang. Donc il faut un équilibre. Normalement, yin et yang, ils alternent, ils fluctuent alternativement. C'est un équilibre dynamique. Donc, il y a une fluctuation. C'est lorsque cette fluctuation devient anormale, par l'excès ou par l'insuffisance d'un des deux aspects, que se produit le déséquilibre qui va faire naître des maladies.